Salut à tous! Aujourd'hui, 24 heures sucrées. Vidéo tant attendue par moi-même. Parce que comme vous le savez, j'adore le sucre. Et je suis levée 45 minutes plus tôt. Merci ma sœur. Pour l'emmener au train. Parce qu'elle retourne à Montpellier. Ouais, elle habite à Montpellier pour ses études, du coup. Vamonos! Je t'ai pris des crêpes. Ah ouais, crêpes pois ou. En fait, aujourd'hui, ma sœur, je fais 24 heures, je mange que du sucré. Oh! T'en penses quoi? Je vais avoir un bon taux de triglycérides. Mimo et Polo, ils m'ont dit ouais, mais c'est trop facile et tout. Comment ça, trop facile, c'est chiant. Hein. Bah toi, tu pourrais pas faire ça. Moi, il me faut une petite dose de salé quand même dans la journée. J'avoue, moi aussi un petit peu. Moi qui adore le sucre aussi, parce que justement, ça compense en fait. Ouais, genre juste une petite dose, parce que comme ça, tu vois, tu fais le contraste. Ouais. Avec le sucré et le sucre t'embellit le sucré. Genre. Bon. Donc premier aliment de la journée, des crêpes waouh. Le goûter qui est complètement waouh. Nutri-Score D, hein. Je crois qu'il y a 16 grammes de sucre, je suis pas sûre. Ah ouais? Ouais. Voilà, allez, en route à la gare, Marne-la-Vallée, je suis ici, Parc Disneyland. Qu'est-ce que tu mangerais toi pour 24 heures sucre, sucré? Bah je pense que je ferais tartine Nutella toute la journée. Je faisais ça quand j'étais petite, alors c'est pas trop dérangeant. Peut-être une petite variation avec cookie granola, tu sais, avec les maxi pépites là. Ah ouais. Au revoir. Ouais, c'est bon, je reviens dans deux, on se voit dans deux semaines, ma sœur. Oh oui, on part en week-end. On part en week-end. Ouais. Goodbye, my friends. You are beautiful one. You are beautiful one for me. Au revoir. Bon, allez, ma sœur, on se voit bientôt, de toute façon. Ouais. Bon, je vais dans ma boulangerie préférée. Là-bas, ils font des trucs, mais vous allez voir, c'est un truc, mais... Oh, j'aime trop. Je suis en tong. Je suis en tong et il fait genre moins 40 quoi. Tout va bien, mais j'aime trop être pieds nus, c'est ma life. La fameuse. J'ai pris une baguette de pain, ça c'est pour mon mec. Mais le pain, mon dieu, il est tout chaud, tout. Mais genre, il vient juste de sortir du four, mais j'aime trop. Je vais le faire. Avant de commencer ces 24 heures, je tenais juste à préciser que cette vidéo est en partenariat avec la marque Studio. Donc la marque Studio, c'est une marque suédoise qui propose des écouteurs sans fil. Ils m'ont contacté pour présenter leur nouveau modèle, donc modèle T2. Ils ont sorti là très récemment, je crois qu'en septembre c'est sorti. Et quand vous recevez les écouteurs, vous les recevez dans une boîte comme celle-ci. Donc c'est du carton bien dur, bien rigide. Et vous avez en fait les écouteurs qui sont présentés comme ça. Et en fait les écouteurs se présentent comme ceci, chargé là. Et dès que c'est chargé, en fait ça s'affiche dans cette petite boîte. Vous avez deux choses. Le fil d'alimentation pour charger les écouteurs. Sachant que les écouteurs ils ont une autonomie de 35 heures. Et franchement c'est vrai parce que je les ai chargés. J'ai chargé je crois une à deux fois mais c'est tout. J'utilise tout le temps. En fait, ce qui est pas mal c'est que ces écouteurs vous pouvez les adapter en fait à la forme de votre oreille. Vous avez plusieurs tailles. L, S, XS. Vous avez ça également, je pense que c'est pour nettoyer vos écouteurs. Sachez que j'ai utilisé ces écouteurs dans n'importe quelle circonstance. Au travail, j'ai passé des appels avec, j'ai parlé avec, on entend hyper bien. Ils nous entendent super bien, donc ça c'est super important. Si tu mets tes écouteurs, tu parles au téléphone et qu'ils t'entendent pas, il n'y a aucun intérêt. Dans les transports, le RER, moi je mets presque 2 heures pour aller travailler, pour écouter ma musique ou pour faire du montage vidéo. Et en faisant du sport. J'ai vraiment voulu utiliser ces écouteurs dans n'importe quelle circonstance. Je voulais vous préciser que l'insonorisation aussi, elle est trop bien. Parce que quand j'écoute ma musique ou que je regarde une série, je suis vraiment dans ma bulle, j'entends rien autour et ça c'est trop bien. Point aussi qui est très important, c'est que ça fait pas des grésillements. Le son, il est net. Lors du montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis mon code promo. Donc grâce à mon code promo, vous avez moins 15% sur tout le site. Donc mdiary que j'affiche juste là. Je vous mets également leur site en description avec leur Instagram, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu. Et maintenant, je vous laisse regarder ma vidéo 24 heures sucrées. Bisous. Bon, je vais faire mon cappuccino. Mimo. Ce message est pour toi, Mimo. Là, je peux commencer la journée. Oh my god. Ça a l'air si bon. Alors, les chouquettes, ça vaut quoi là-bas? Elles sont bonnes, ça va. Du coup, j'ai pris mon petit déjeuner. Oh, c'était bon. Mais c'est... En fait, le truc roulé au chocolat,
C'est très vite écœurant, donc du coup j'ai fait la moitié avec mon chéri. C'était délicieux. J'ai pris des chouquettes, deux chouquettes également, parce que voilà, j'ai une certaine Mimo qui m'a dit « Prends des chouquettes !» J'ai donc pris des chouquettes. Crêpe Wahoo, plus la moitié d'un roulé, plus des chouquettes, je pense que déjà on est en taux de sucre assez élevé. Bon là je vais travailler du coup. Voilà, voilà. Que la journée du sucre commence. Que les Hunger Games commencent. Puisse le sort vous être favorable. Bon là, il est midi 21. J'ai pas hyper faim, donc j'ai un petit creux. J'ai pris un pain viennois à la boulangerie. Je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir la dalle. Je mets mes écouteurs et je retourne travailler. Ça, c'était juste l'apéro, tu vois. Trop bon. Pour ce midi, au menu, on va manger une crêpe sucrée, banane, Nutella, coco et un bol de céréales. Voilà, j'ai envie de céréales, mais un truc de ouf. Mon mec, en fait, il m'a racheté des céréales, celle-ci. Celle que j'avais achetée pour le 24h, je mange comme dans mon enfance. Du coup, ça tombe bien. Bah, je vais me faire un bol de céréales. Crêpes, Nutella, banane, céréales, Lion, Chocapic, retour d'enfance. Les céréales, j'aime trop. Oh, la Nutella banane. Les céréales. Là, je me dis, il me reste le goûter et le repas de ce soir. Je vais dire. Nutella banane. Nutella banane. Nutella banana. J'ai fini le combo céréales Lion et Chocapic. Une tuerie. Vous savez où je vais là? Sur le canapé pour poser mon gros huc. Voilà. Alors, au dessert. Au goûter, je vais faire du pain perdu. J'aime tellement ça, le pain perdu. Bon, le pain perdu, il va être sucré, hein, parce que du coup, je vais mettre de l'œuf. C'est de la triche ou pas si je fais ça? Mais si, le pain perdu, c'est sucré. De l'œuf, du sucre vanillé, je vais mettre du sucre par-dessus. Pour moi, c'est sucré. Bon, en attendant, je vais manger un œuf. Ma drogue. Mon pain n'est pas rassis, forcément. Je l'ai acheté ce matin, mais je vais quand même le faire avec ce pain-là parce que ça a l'air trop bon. Un œuf. Voilà, rien de plus simple. Une fois la préparation faite, poêle. J'ai fait cramer tout. Ah, il y a de la fumée partout dans ma cuisine, mais vous voyez pas, vous. Je suis vraiment une piètre cuisinière, c'est un truc de ouf. Bon, j'ai mis le peu de caramel qui me restait. Franchement, c'est archi bon. Archi, archi bon. 24 heures sucré. 24 heures sucré. 24 heures sucré. 24 heures sucré. En tout cas, ce petit goûter, les amis, une pépite. J'ai trop kiffé, c'était trop bon. Mais j'avoue que le salé, ça manque un peu. Ah, je suis très heureuse de faire ces 24 heures. Très 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 heureuse. J'espère que ça vous plaît. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, mettez-les moi en commentaire. Je les ferai. Allez, à tout à l'heure les amis pour le repas de ce soir. Alors, nous sommes le soir 19h30. Je vais aller m'acheter un truc à manger. Sucré bien sûr, évidemment.
Je me suis garée grave à l'arrache. J'espère que je vais pas avoir d'amende. Il manquerait plus que ça. J'ai arrivé à ma destination. 19h40. Purée, je vais avoir envie de prendre un truc salé. Non, Mimi, c'est sucré. Sucré, tout d'ailleurs, sucré. Au tacos. Alors, je vais vous prendre le nappage Nutella, M&M's et brownie. J'attends mon dessert, enfin mon plat sucré. Ça va être génial. Au menu, j'ai pris une boisson pour la première fois. Thé vert glacé saveur citron vert et menthe. Oh, j'adore. J'ai bu trop vite. C'est grave bon, franchement de ouf. J'ai pris un shake, un milkshake, parce que vous savez que j'adore ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai vraiment une passion pour les milkshakes. Alors, shake caramel beurre salé j'ai pris. Oh ouais, crunch. On va voir ce que ça donne. Très bon. Très très bon. Leur milkshake, en fait, il n'y a qu'une saveur, c'est vanille. Un topping et un coulis. Donc là, j'ai pris caramel et crunch. Mais le crunch, je le sens pas. J'aime trop. Donc j'ai pris un tacos sucré. J'ai pris de Nutella, d'un et brownie, je crois. Mais j'ai l'impression qu'il est hyper plat pour un tacos où il y a plein de choses dedans. Pour l'instant, je sens que le Nutella. Je sens le d'un parce que ça colle au d'un. Mais je sens pas le reste pour l'instant. Le d'un, mauvais bail, hein, je vous le dis. Ah, ça colle. En plus, au début, j'avais mis M&M's et j'ai changé, j'ai mis dedans. Je sais pas comment je fais pour manger autant. Là, il y a un bout de brownie, là, si vous avez... je sais pas si vous allez voir. Ah, je le sens, là. Vous savez, c'est chaud quand je fais des phases en mode rêve comme ça où je pars loin. Mais genre, vraiment, j'ai l'impression que je suis plus là. C'est trop bizarre. Je pars vraiment comme si je passais dans un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. J'en peux plus. J'ai trop mangé. Merde, j'ai trop mangé. Petite. Attends, Mimo. Regardez-la. Oh, on est habillé pareil, Mimo. Pretty little liar. On est A. T'as pas regardé? Ah mais ils t'entendent pas parce que j'ai mes écouteurs. Là je t'entends grave bien et tout. Ils prennent toute mon oreille, ouais. Non, j'aime bien. Ok, je vous explique. Mimo, ici présente, ermite la grenouille. Elle arrive bientôt, très très bientôt à Paris. Parce que c'est une bretonne. Oui, elle est team galette, Mimo. Et du coup, on aimerait faire une vidéo toutes les deux. Et est-ce que vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire ensemble? Mais vraiment, nous, on aimerait faire des défis de ouf. Hein, genre, on veut se challenger, Mimo. Tu peux pas faiblir comme ça. Je sais pas. Fou, tu vois. Non mais genre franchement, mettez plein d'idées de vidéos qu'on pourrait faire ensemble, des vidéos que vous aimeriez voir en tout cas sur cette chaîne. Et puis on sélectionnera la meilleure idée. Maintenant j'ai des danses de l'abonné à faire. Désolée si j'ai oublié des gens. Je suis encore désolée pour les personnes que j'ai oubliées auparavant parce que voilà les danses que je fais maintenant, j'ai deux personnes que j'ai oubliées. Sous cette vidéo, si je vous ai oublié, mettez-moi en commentaire. Je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais j'ai bientôt 10 000 abonnés. Et à 10 000 abonnés, je vous fais gagner quelque chose, mais peut-être d'incroyable pour vous. J'ai envie de vous donner un indice, mais si je vous donne l'indice, je pense que vous allez trouver. Ce sera une journée avec moi dans un endroit. Voilà. Et on fera la danse de l'abonné des 10K dans cet endroit de ouf. Où on peut s'amuser et où on peut rêver. Danse de l'abonné pour Caroline Tourte, Cindy S. Cindy d'ailleurs, je sais pas si c'est ton chat sur ta photo de profil, mais il est très très mignon. Et la Body Family par Quentin. Cette danse, elle est pour vous. Après cette journée sucre là, faut pas trop m'en demander. Oh, je vais vomir. Ce 24 heures prend fin. Tout le monde m'a dit ouais 24 heures sucrées mais c'est trop facile et tout. En vrai c'est facile, oui bien sûr, très très facile. Mais c'est vrai qu'à un moment donné ton corps il se dit mais surtout le soir, hein, j'ai envie de saler quand même. Arrivé à Otakos, oh là là, j'avais trop envie de prendre là avec la sauce fromagère, du poulet, du truc. Bah j'espère que ça vous a plu. Je vous aime fort, je vous fais de très gros bisous. À bientôt.